Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire dans quelles conditions est-ce que vous ne devriez pas consommer du gingembre. Mais tout d'abord, dites-moi comment est-ce que vous appelez cette plante dans votre pays, dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner, liker et commenter. Pensez aussi à la clochette de notification. Le gingembre est une plante très bénéfique pour la santé et pour votre organisme. En médecine traditionnelle chinoise, ceci est utilisé depuis plus de 2000 ans pour traiter la diarrhée, les crampes, les migraines, les nausées et même l'arthrite. Il se consomme frais, sec, dans l'été, en cuisson, dont vous profitez simplement de ses extraits. Regardez complètement cette vidéo pour connaître les conditions dans lesquelles vous ne devriez pas consommer du gingembre. Et bien sûr, je vous présenterai aussi ses avantages pour la santé. C'est un très bon remède maison, un remède naturel et exceptionnel. Vous allez très vite le comprendre. Tout d'abord, je vous présente ses avantages et ses propriétés. Ceci que vous voyez là peut réguler la circulation sanguine en raison de sa teneur en zinc et en magnésium. Il contient des propriétés antibactériennes, expectorantes et antioxydantes. Il peut diminuer les nausées puisqu'il s'agit d'un antiémétique naturel. Ceci améliore le métabolisme grâce à ses propriétés thermogéniques, réduit ainsi l'inflammation dans les intestins et accélère la digestion. Il peut aussi réduire chez vous le niveau de stress en raison de sa teneur en cinéol, qui est un produit à effet relaxant. Il met fin aux migraines car il va tout simplement bloquer la production de prostaglandine, une substance qui enflamme les vaisseaux sanguins. Il peut améliorer l'absorption des nutriments puisqu'il augmente les fonctions des enzymes et stimule l'estomac. Ceci est contre-indiqué dans certains cas. Lorsque vous prenez par exemple des anticoagulants, si vous prenez de l'aspirine, de l'ibuprofène ou même du proxène ou un autre anticoagulant, alors la consommation de gingembre n'est pas recommandée. Si vous combinez vos médicaments avec du gingembre, vous augmenterez le risque de meurtrissure ou même de saignement. Maintenant, en cas d'hypertension, je vous le déconseille parce que le gingembre pourrait sans aucun doute bloquer les canaux calciques. Cela endommagerait la tension artérielle. Pendant la grossesse, je vous déconseille fermement de consommer du gingembre. Certaines études soutiennent que le gingembre pourrait causer de l'altération hormonale et finit par causer des naissances prématurées. Bien sûr, le gingembre est connu pour son effet amincissant. Cela fonctionne comme un coupe-faim. Ça va donc accélérer le processus digestif et éliminer l'excès de graisse. C'est pour cela qu'il n'est pas bon de consommer du gingembre si vous avez des problèmes de poids, vous êtes en sous-poids, vous êtes anorexique ou même vous avez des problèmes de masse musculaire. Maintenant, pour les diabétiques, sachez que le gingembre n'est pas un problème car il a un faible index glycémique pour ne pas altérer le niveau de sucre dans le sang. Cependant, si le patient est sous traitement, comme des injections à l'insuline, il doit absolument éviter le gingembre. Les personnes qui souffrent d'hémophilie, ils ont tendance à saigner sur une période prolongée. Le gingembre pourrait causer un choc chez le patient hémophile. Pareil pour vous qui avez des problèmes cardiaques, consommer du gingembre de manière excessive pourrait causer des effets irréversibles. Il est suggéré de le prendre pour une période pas plus que 4 jours. Aussi, il est conseillé de consulter votre médecin avant de commencer. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de commenter, liker, abonnez-vous et pensez à la clochette de notification. Bisous, bisous!